Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, ça n'est pas. Slide, c'est pas le texte que j'ai écrit, ça. Oups, désolé, ça c'est mon cours d'orthographe. Je te change ça tout de suite. Ok. Bon, du coup, il me reste à vous dire bonjour, Tertus. Et le temps que Slide retrouve le texte, bah, top générique. Il était une fois une jeune femme au cœur pur qui menait une vie idyllique au sein de la forêt dans un royaume où règne le bonheur et l'harmonie. Après avoir été victime de la cupidité des hommes et guidée par la volonté vengeresse de protéger ses terres, elle jette une terrible malédiction sur l'enfant du roi Stéphane et la reine Oriane. Lorsque l'enfant grandit, celle que l'on nomme Maléfique se rend compte que la princesse détient la clé de son cœur et potentiellement la paix du royaume. J'ai un message pour vous de la part de Maléfique. Alors, elle me l'a écrit, donc je vais lire. Elle me prévient qu'elle jettera un sort sur vous et sur trois générations si vous n'avez pas fait au moins l'une des actions suivantes. Ne pas avoir mis de like. Ouais, c'est vrai que c'est pas top ça. Avoir à défaut mis un dislike avec un commentaire pour expliquer pourquoi vous n'aimez pas la vidéo. Ouais, ça se tient. Avoir regardé cette vidéo sans être abonné, ouais, mais enfin ça, il n'y a personne qui le fait. Alors, remarque, quand je regarde les comptes, si, peut-être quand même, un peu. Ne pas avoir partagé cette vidéo sur vos réseaux.
Ouais, ça c'est vrai que ça serait sympa de le faire. Mais bon, déjà un like ou un dislike avec commentaire, ça serait déjà super. Et puis, bah, abonnez-vous aussi. Enfin, moi, je vous préviens, maintenant, votre avenir est entre vos mains. Ouais, je dis ça. Je dis rien. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, je passe sur un mode, vous le savez l'habitude, hein, sur les petites vidéos où j'échange un petit peu avec vous, je vous parle un petit peu de la chaîne. Et je vous propose de faire un petit point météo de la chaîne. Courant juin, pour ceux qui étaient déjà là, vous êtes au courant. Pour les nouveaux, je vous l'apprends. Donc la chaîne qui s'appelait Jibilum, qui était un nom imprononçable et que personne ne pouvait retenir, est devenue Les Minute Makers. Et le 29 juin, après quasiment 2 ans de chaîne, j'atteins la barre symbolique des 100 abonnés. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, donc là on est le 27 septembre, on est à 130 abonnés. Alors certes ça monte très très doucement, mais j'ai jamais monté aussi rapidement. Donc quelque part c'est super motivant et je vais continuer à vous faire des vidéos en espérant qu'elles vous plaisent le plus possible. Bon, maintenant cette augmentation du nombre de vues et du nombre d'abonnés est en grande partie liée à la vidéo du 27 août sur les boîtes à masques. Qui a aujourd'hui dépassé les 700 vues en une fois. Donc là encore, c'est un record pour moi, parce que d'habitude, quand j'atteins les 100 vues en un mois, c'est une bonne vidéo. Mais pour atteindre ce nombre, il a fallu que je partage ma vidéo sur pas mal de groupes Facebook. Groupes Facebook sur lesquels, en général, on n'est pas censé faire sa pub, donc je ne peux pas faire ça de manière exagérée, parce que je risquerais de me faire bannir de ces groupes. Et puis, c'est des groupes auxquels... je tiens particulièrement parce qu'il y a des informations plutôt utiles et puis des fois je peux aussi aider des gens, donc j'ai envie de pouvoir rester sur ces groupes. Mais d'un autre côté, d'après les statistiques de ma chaîne sur YouTube, mes vues ne sont pas issues des suggestions de YouTube ou de des recherches qui sont faites sur YouTube ou sur Google, mais bien principalement des partages que je fais sur d'autres plateformes. Mais si je partage sur Facebook, j'ai des likes sur la publication Facebook qui ne sont pas forcément mis sur YouTube. Si j'ai pas de likes ou de dislikes d'ailleurs sur YouTube, YouTube estime que c'est une vidéo qui ne déclenche pas une interaction avec le public et donc n'est pas incité à suggérer plus que ça ma vidéo. Donc, vous l'aurez compris, je vais être obligé en fin de vidéo de continuer à vous demander de liker et de vous abonner à mes vidéos. C'est chiant pour certains, mais si je fais pas ça, j'arriverai pas à avoir plus d'abonnés, donc potentiellement intéresser de plus en plus de personnes. Le seul point sur lequel je vais arrêter de vous relancer, c'est sur l'activation de la cloche. Je vous explique pourquoi. Globalement, si à chaque fois que je sors une vidéo, je la sors en même temps que plein d'autres gros youtubeurs, sauf si vous avez pris l'habitude de cliquer sur le bouton abonnement dans YouTube, vous n'allez pas recevoir les notifications de mes vidéos. La raison est toute simple et compréhensible. YouTube ne peut pas envoyer les notifications de toutes les chaînes sur lesquelles vous avez activé la cloche. Sinon, votre téléphone n'arrêterait pas de sonner, il serait inutilisable à 18h tous les soirs. Et 18h, c'est pas un horaire choisi au hasard par les youtubeurs. 18h, c'est globalement l'horaire où vous avez terminé de travailler ou alors vous êtes arrivé chez vous. Mais c'est également, à 18h en France, la pause du midi au Canada. Et le Canada, c'est une très grosse communauté de lecteurs francophones. Donc quelque part, publier ces vidéos à un autre horaire, ce serait quand même un peu bête. Et je dis bête pour rester poli. Donc, moi, je vous officialise que je vais continuer à sortir mes vidéos le 15 du mois et le dernier jour du mois. Mais dorénavant, que ce soit un samedi, un dimanche ou un jour de semaine, je la sortirai à 18h. Comme ça, on a rendez-vous ensemble sur des dates fixes et des horaires fixes. Et je conserverai le principe des vidéos dont la miniature à fond jaune pour les vidéos qui font moins de 5 minutes ou à fond bleu pour les vidéos qui font plus de 5 minutes. Alors, YouTube n'est pas mon métier, hein, ça vous l'aurez compris. C'est vraiment un passe-temps que je fais à me faire plaisir, de vous faire plaisir. Mais d'un autre côté, mon métier m'amène à pouvoir
télétravailler régulièrement. Alors aujourd'hui, j'ai une petite zone d'atelier que vous avez déjà vu, que vous avez vu dans le cadre de cette vidéo et dans d'autres vidéos. Voilà, donc au niveau de l'ambiance chez moi, globalement, j'ai l'installation de l'éclairage qui se fait donc ici. J'ai un deuxième éclairage qui est installé ici, plus le PC, la caméra qui est ici, l'écran sur lequel j'ai mon texte, et tout ça dans une salle à manger. Donc vous imaginez le foutoir que ça donnerait si là maintenant quelqu'un sonne à ma porte, de la famille ou des amis, pour venir me dire bonjour. Faut pas avoir la honte quand même, hein, pour ouvrir une salle à manger dans cet état-là. J'envisage donc de mettre en place à moindre coût une salle dédiée chez moi, où globalement je pourrais télétravailler en journée, je pourrais faire du bricolage et faire de la recherche le soir, et enregistrer mes vidéos le week-end, le tout sans jamais rien avoir à re-ranger, ressortir, etc. Que tout ait sa place, que ce soit propre. Donc c'est un sujet de DIY complet. Alors j'ai pas la dextérité d'Olivier Verdier ou les quatre bras des frères Poulain, ni même la place dont eux disposent pour pouvoir faire un grand atelier. Mais en tout cas voilà, moi ce que je vous propose c'est de faire une série de vidéos où la première, il y aura probablement pas beaucoup de fabrication, ça sera, on va essayer de cadrer le sujet, ce dont j'ai besoin, ce que je veux faire, ce dont je dispose comme meubles, bois déjà à la maison, pour dépenser un minimum. Et ensuite, il y aura des vidéos de réalisation. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de me dire en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse, que je fasse ça en plusieurs vidéos. Et voilà, globalement, je pense que j'ai déjà suffisamment parlé. Donc je vous donne rendez-vous le 15 octobre. Et il me reste à vous dire ciao, ciao !